Le chef de l'État haïtien, Michel Martelly, a ouvert officiellement jeudi au musée du Panthéon National la première présentation dans les Caraïbes de l'exposition numérique « L'Odyssée des musiques noires ». La directrice du musée du Panthéon National, Mupana, Michèle Frisch, a fait valoir que cette présentation en Haïti de l'Odyssée des musiques noires se justifie par le fait qu'Haïti soit le premier État noir indépendant du Nouveau Monde. Cette exposition est porteuse d'un message clair. Promouvoir les musiques noires comme patrimoine mondial. Un patrimoine qu'il faut préserver et surtout transmettre de génération en génération. Sa présentation en Haïti constitue une grande première en Amérique. Le MUPANA s'est associé à ce projet afin de permettre au public haïtien d'explorer la richesse du répertoire des musiques du monde, particulièrement de l'apport de la musique haïtienne à ce mouvement. Nous vous invitons à découvrir cette forme d'expression moderne basée sur des installations numériques et interactives et de voyager à travers le parcours musical par nos icônes. De son côté, le concepteur du projet, M. Marc Benaïche, a laissé entendre que cette exposition permettrait aussi à tout le monde de voir comment la musique haïtienne a contribué à la transformation du monde. Pour nous, ces musiques, qu'on a appelées musique noire, sont sans doute l'aventure artistique la plus grande du XXe siècle et du XXIe siècle. Et ces musiques ont porté tous les élans de liberté, de démocratie, en Occident et dans le reste du monde, et ont accompagné toutes les grandes révolutions politiques, intellectuelles, artistiques de ces dernières années. De pouvoir présenter cette exposition d'abord en Afrique, en pays créole, et aujourd'hui à Haïti, la première République noire, c'est quelque chose de très fort et de très émouvant pour nous, et qui est une véritable chance, et qui donne à cette exposition un caractère tout à fait particulier. Intervenant en sa qualité de présidente d'honneur du MUPANA, la première dame Sophia Martelly a fait valoir que cette activité constitue un pas de plus vers la reconnaissance de l'apport d'Haïti à la culture mondiale. La première dame ainsi que la directrice du MUPANA ont remis des plaques d'honneur aux groupes musicaux Septentrional, 65 ans, Tropicana, 50 ans, Tabou Combo, 45 ans, Sweet Mickey, 25 ans, ainsi que des distinctions posthumes aux artistes Azor et Toto Bissinthe. C'est la seconde fois qu'on rend hommage à ma mère Toto Bissinthe, ici, en Haïti. La première fois, c'était à l'Institut français en 2007. Et maintenant, à travers cette expo numérique réalisée par Mondomix et accueillie par l'Institut français et le MUPANA. Je tiens à remercier chaleureusement Madame Michèle Frisch, qui se donne à 300%, Madame Monique Rocourt, Madame Corinne Michaeli, Marc Benaïche et Rémi Crépeau de Mondomix pour cette initiative et pour avoir si bien saisi à travers le documentaire qu'ils ont réalisé, qui était Toto Bissinthe. Merci beaucoup. Le chef de l'État, qui a reçu une distinction en tant qu'artiste fondateur de Sweet Mickey, a mis l'accent sur l'importance dans la vie d'une nation de la musique qu'il considère comme un moyen d'expression, une identité propre, un outil de promotion culturelle nationale et internationale. Souvent, on identifie un pays par rapport à sa musique. Par exemple, quand je dis Lambada, c'est le Brésil. Quand on dit la musique racine, c'est Haïti. Fais attention quand on dit le compas, c'est Haïti, c'est pas Sweet Mickey. La musique est aussi un outil pour s'exprimer, rire, faire rire, pleurer, faire pleurer. Un outil pour chanter l'amour, la révolte. Elle est aussi un métier, elle est aussi une passion. Enfin, la musique, c'est aussi un outil de promotion culturelle nationale et internationale. Haïti ou n'importe quel autre pays peut être connu et promu à travers son patrimoine, à travers sa musique. Donc j'aimerais recommander à ma ministre de la Culture de s'assurer de dynamiser ce secteur, de continuer à encadrer les artistes, les auteurs et les compositeurs. Nous avons une belle histoire, une culture riche et variée. Affichons-la. Finalement, aux médias présents, je leur recommanderais d'accompagner les efforts de l'État à valoriser, à prioriser la diffusion de la musique haïtienne sur leurs bandes AM et FM. Et merci encore, tant en mon nom qu'au nom de ma famille, de m'avoir honoré ce soir. Je m'en vois flatté. Merci.
affrontement à coups de pierre entre deux groupes d'élèves du lycée Pétion et du lycée Jean-Jacques Dessalines à l'avenue Christophe. Selon les informations recueillies, les élèves du lycée Pétion ont attaqué le local du lycée Jean-Jacques, ce qui a provoqué une vive tension dans ce quartier. Notons que ce type de conflit est très courant à Port-au-Prince. La représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti et les représentants de la communauté internationale appellent les acteurs politiques à continuer le dialogue enclenché le 14 octobre dernier entre l'exécutif et le législatif. Dans un communiqué distribué à la presse, ils demandent aux parties prenantes de trouver une solution de consensus sur les questions politiques clés. Les représentants spéciaux et les ambassadeurs du Brésil, du Canada, de l'Espagne, des États-Unis d'Amérique, de la France, de l'Organisation des États américains et de l'Union européenne, accrédités en Haïti, ont également signé la note de presse. Un tel accord, d'après le communiqué, permettra le fonctionnement continu des institutions et la tenue d'élections libres, équitables et inclusives, qui sont des conditions nécessaires pour le renforcement de la bonne gouvernance et pour la création d'un cadre propice au développement socio-économique au profit du peuple haïtien. Ces représentants de la communauté internationale en Haïti estiment qu'il est dans l'intérêt de toutes les parties prenantes de la nation qu'une solution à l'impasse actuelle soit atteinte dans les plus brefs délais et que cette solution soit mutuellement acceptée par les acteurs politiques ainsi que la société civile haïtienne. Les responsables de la direction départementale du ministère de l'Agriculture ont procédé ce jeudi au largage de près de 120 000 petits poissons dans un étang de la commune de Léogane dans le but de renforcer la pisciculture dans la région. La Fondation Saint-Luc et l'Action chrétienne pour le développement ont procédé ce vendredi à la remise des clés de 22 maisons à Cité Féquière, dans la commune de Cité-Soleil. Ces maisons, construites dans le cadre du projet Fosse la Caille, est financée par le programme de la MINUSTA, Réduction de la violence communautaire. Pour qu'il y ait un développement culturel et pour la paix, c'est une vraie possibilité. Hein? Ce n'est pas lutter chaque jour pour manger, ce n'est pas lutter chaque jour pour la pluie tomber ou mouiller, mais tout besoin commencer avec une dignité de base. Et une caille qui fait ça, parce qu'une caille, ce n'est pas seulement une construction, mais c'est une ambiance familiale. Et c'est famille qui baille principe. Et Jean-Jésus dit, ce n'est pas seulement par pain nous vivre, alors nous besoin principe tout dans la vie. Ici, c'est 82 cailles, c'est 22 ministères féaux, mais il y a 82 cailles qui nous font ici. Cailloux avec remblé, avec plomberie en dedans, avec électricité, il y a 9 000 $ par caille us. Les responsables de la Fondation haïtienne de diabète et de maladies cardiovasculaires, FADIMAC, annoncent toute une série d'activités en prélude à la Journée mondiale du diabète le 14 novembre prochain. Une séance de dépistage d'ailleurs, gratuite, se tiendra le dimanche 10 novembre à Pétionville. Donc le dimanche 10 novembre, à la place Boyer, de 8h du matin à 2h de l'après-midi, nous pourrons gagner une demi-journée chargée avec activité, qui a commencé par une marche autour de place non. Pour signifier premièrement que tout diabétique yo, et même ça pas diabétique yo, que yo fait bruit pour que yo capable tendre nous au niveau de l'instance concernée pour connaître que diabète n'est son problème. Actuellement malaria, tuberculose, sida, moun sa yo pas payer médicaments, diabétique hypertendu yo obligé payer médicaments yo, et ça c'est pour le reste de leur vie. Donc li m'ta souhaité que avec ça que gagne un petit peu plus de mouvance dans sens ça. Deuxièmement, marche ça a bien signification côté que exercice très important pour contrôle sucre là. Donc li pourra inviter tout diabétique et tout l'autre monde qui veut être en bonne santé pour nous faire marche autour de place là. En plus de ça, dans journée ça, nous pourra gagne des conférences qui pourra insister sur thème que n'a développé année ça qui les protégeons notre futur. Protéger notre futur, une c'est avec diabétique yo, l'or diabétique et que vous protégez et au compte qui ça pour faire avec diabète là, et bon empêcher que complications développer la caillou.
Deuxièmement, moun ki poko diabétique ki gen nan ratio moun ki fè sucre ou bien ki gen des antécédents que sucre te monté ou bien que yo te enceinte et puis sucre la te monté l'oy accouché il disparaît, mais moun sa yo c'est des moun ki a risque, et ben yo pou apprendre au niveau de conférence yo ki sa pou yo fè particulièrement nan manje yo avec nan exercice yo pour que yo capable protéger tête yo pour retarder ou même empêcher apparition diabète la kay yo. En plus de ça, dans la journée, ça, et ça qui est plus important, c'est le dépistage que nous pouvons faire pour sucre avec pour hypertension. Côté que test sucre là, gratis, donc tout le monde qui est intéressé, particulièrement nous inviter la population supérieure à 20 ans, parce que c'est dans le groupe ça qui est plus jeune diabétique. Mais si nous avons des petits mouns qui pipi en pile, qui boit en pile, que nous voyons qu'ils ont maigri et qu'ils sont tout le temps fatigués, tant pis, menez-vous, parce qu'on teste qu'on est capable de sauver la vie. Yo.